Alors les gars, voilà, je pense dans la vidéo précédente, j'avais fait ce pari en direct, mais la vidéo était longue, donc j'ai pas pu attendre pour vous montrer ce que ça a donné. Donc voilà, c'était ça, gagner, gagner, gagner pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos. Alors les gars, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler d'une nouvelle astuce. Nous allons parler d'une nouvelle astuce qui peut vous permettre de générer énormément de cash. Énormément de cash pour les nouveaux. Vous êtes très bel et bien sur la chaîne Moses GSJ où nous partageons les astuces et les failles OneIsBet. Nous partageons les astuces et les failles OneIsBet. Vous pouvez prendre le temps d'aller vérifier. Voilà, les astuces que je partage ici marchent à 95% des cas, les gars. C'est pas qu'on ne paie pas, on paie. C'est une belle preuve. Voilà, je laisse tout pour vous, afin de pouvoir mieux vous montrer. Vous avez perdu. Perdu, je pense ici, voilà, perdu, ici aussi perdu. Mais vous-même, vous pouvez remarquer que les gains sont vraiment, vraiment, vraiment supérieurs au pet. Donc c'est ça le but. C'est ça le but. Chez OneIsBet, c'est pas que ah, on doit tout gagner, tout, 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 tout. Non, 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 non. Il s'agit d'un jeu. Il s'agit d'un jeu. Mais avec les astuces et les failles et les techniques qu'on utilise ici, vous sortirez toujours, 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 toujours sur le long terme, vous sortirez vainqueur. Ça peut aller, j'espère. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, histoire de ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une astuce qui peut vous permettre de générer énormément de cash. Donc, nous allons commencer au fait. Nous irons dans Populaire, ici, tout. Donc, je clique sur tout. Après ça, je clique sur Live. E-sport. E-sport. Après ça, je clique sur ici, voilà. Dead or Alive. J'avais déjà partagé une astuce, j'avais déjà partagé une faille sur ce jeu. J'avais déjà partagé une faille sur ce jeu dans l'une des vidéos précédentes. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle faille que j'ai découverte. Ça peut aller. L'autre marche toujours, c'est pas que l'autre ne marche pas. L'autre marche toujours et à merveille, mais les gars. L'autre marche et à merveille. Ceci, c'est encore un nouveau. Ça peut aller, c'est un nouveau. Donc je clique là. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, arrivez ici, vous savez déjà, bon, c'est quoi la première faille que j'ai partagée? Je ne vais pas faire un rappel, histoire de ne pas faire durer la vidéo. Donc, ce que nous avons à faire, c'est quoi? Ici, je clique sur un match qui veut commencer. Je clique sur un match qui veut commencer. Donc, les gars, il s'agit de deux astuces que je vais vous partager ici. Je vous partage, je dis bien, je vous partage deux astuces ici. Donc la première, c'est ça. Je ressors. Vous voyez, je viens dans le jeu. Un jeu qui n'a pas encore commencé. Je clique, je viens ici. Vous voyez, durée du round. Durée du round. Je prends le dernier. Je dis bien, je prends le dernier ici, qui a la plus faible cote. Ça peut aller. Round 1, moins de 29,5. C'est bon, je prends le dernier. Ça me dit que, bon, voilà. Lors du match, lors du round, le round ne va pas durer pendant plus de 30 secondes, mais plus de 29 secondes. Et je prends. C'est bon. Très rare, je dis, mais très. Ceci marche à 99% des cas, les gars. Je dis bien et je le répète, ceci, ça marche à 99% des cas. Donc je ressors, un match qui n'a pas encore commencé. Voilà, je viens ici, je prends round 1, et je mise. Plus faible, je vais pas miser ici, je vais pas miser dans le jeu, dans la vidéo, mais les gars, c'est ça. Ça peut aller, c'est ça. Voilà l'astuce. Maintenant, pour la deuxième astuce, ça concerne les matchs qui ont déjà commencé. Ça concerne les jeux qui ont déjà commencé. Soit je peux choisir ici ou je peux choisir ici. Mais avant de vous montrer cette astuce, je tiens à vous parler du bonus de 200% OneIsBet, les gars. Je tiens à vous parler du bonus de 200% OneIsBet. Bizarrement, certains le font. Ils le reçoivent pas. On voit très souvent aussi les histoires et des codes promo sur OneIsBet. On dit voilà mon code promo, utilisez, recharge ton compte, tu auras 200% de bonus sur ton premier dépôt. C'est pas que c'est faux, c'est vrai, c'est vrai. Mais lors de l'inscription, il y a un truc à faire que malheureusement beaucoup de personnes ne font pas. Il y a un truc à faire que malheureusement beaucoup de personnes ne font pas. Donc ici maintenant, je vais faire un semblant d'inscription pour vous montrer réellement c'est quoi vous devez faire normalement afin de pouvoir obtenir les bonus de 200%. Donc suivez la vidéo intégralement histoire de réellement obtenir les bonus de 200%, les gars. Obtenir les bonus sur les dépôts. Donc tout se joue à l'inscription. Tout se joue juste à l'inscription et
tout juste après l'inscription, c'est-à-dire avant le dépôt. Donc, ce que nous allons faire maintenant, je vais faire un semblant d'inscription pour vous montrer réellement comment vous devez faire pour effectivement obtenir les bonus. Ça peut aller. Nous allons faire et montrer comment faire pour réellement obtenir les bonus. Donc, je clique sur inscription. Ça peut aller. Donc, inscription, vu que je veux être rapide dans cette vidéo, je vais choisir l'option one click. Donc, ici, one click. En un clic plutôt. Donc, voilà. Inscription en un clic. Ouais, bénin, tant. Bonus sur bienvenue. Voilà. En e-sport, bonus de 200% sur le premier dépôt. Après, casino, refusé. Non, on choisit sport. Ça peut aller. On choisit bonus de 200% sur le premier dépôt. Ça peut aller. Voilà ce qu'on choisit. Accepter. Et là, maintenant, on met le code promo 14ANIF. 14ANNIF. Genre, les lettres sont en minuscules. Il n'y a pas d'espace. 14ANNIF. Après ça, maintenant, vous confirmez avoir lu. Oui. Et puis, paf, je valide. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, une fois fait maintenant, je clique sur suivant. Suivant pour me connecter. Donc, les gars, voilà, je viens de m'inscrire. Ça peut aller, mais avant d'effectuer un dépôt, avant d'effectuer le dépôt pour obtenir le bonus, il y a un truc à faire d'abord et c'est très important. C'est très, très important. C'est pour ça. Très souvent, lorsqu'on fait le paiement et lorsqu'on fait le dépôt, on ne reçoit pas le bonus. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Vous venez au niveau de mon compte, c'est-à-dire ici, mon compte là. Et lorsque vous venez là, vous venez au niveau de profil personnel. Profil personnel. Ça peut aller. Donc, profil personnel. Vous remplissez le profil personnel, les gars. Nom d'utilisateur, vous devez ajouter un nom d'utilisateur. Vous devez ajouter une adresse email si vous en avez. Si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, numéro de téléphone, vous ajoutez un numéro de téléphone. Ça peut aller. Vous pouvez modifier votre mot de passe, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez modifier, ce n'est pas obligatoire. Après, information, prénom, nom, pays, ville. C'est très important. Mettez tout ça. Remplissez ces formulaires. Remplissez ce formulaire plutôt. Donc, après remplissage de ce formulaire, maintenant, vous venez ici. Ça peut aller au niveau des promos. Vous venez là, participation aux promotions, ici. Participation aux promotions, vous cliquez. Ça peut aller pour vérifier bien si ceci est actif. Ça peut aller, est-ce que ceci est actif? Oui, ceci, j'ai dit bien ceci, bonus de sport, recevez un bonus de 100%. Ça peut aller, donc oui, ceci est bien actif. Alors les gars, c'est bon, c'est nickel. Ça peut aller, c'est bon maintenant. Vous pouvez faire maintenant votre dépôt et recevoir un bonus sur le dépôt. Ça peut aller. Donc, n'oubliez pas le code promo 14ANIF. Bon, sans plus tarder maintenant, j'irai dans mon compte principal pour vous montrer comment créer des coupons maintenant, comment créer des coupons, comment trouver les scores exacts. Voilà les gars, après l'inscription maintenant, je viens et je continue avec la faille que je vous présentais. Donc, je reviens ici. Vous m'excusez beaucoup pour la météo ici, il pleut actuellement, donc c'est indépendamment de ma volonté. Donc ici maintenant, je prends ce match qui a déjà commencé. Qu'est-ce que je fais? Toujours le même événement. Ça peut aller, toujours le même événement. Ici, round 5, je prends moins 2. C'est bon, le match qui a, un match qui a déjà commencé. Je prends moins 2, vous voyez que la cote, cette cote est supérieure. Peu importe la cote. Prenez juste, lorsque vous venez au niveau de durée du round, prenez l'option qui a la plus petite cote. La plus petite cote peut être 2. Vous prenez ça, les gars. Ça peut aller, j'espère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Partagez la vidéo à vos amis. N'hésitez pas, sur la chaîne, il y a une playlist, les gars. J'avais oublié de le dire depuis le début. Il y a une playlist. Il y a une playlist sur la chaîne qui peut vous permettre de trouver les vidéos de OneSbet, les vidéos de crypto, les vidéos de trading et autres. Donc, allez au niveau de la playlist, vous allez voir des vidéos qui sont réellement, réellement mis en catégorie. Merci, laissez-moi un commentaire. Merci et à plus tard pour toute nouvelle vidéo.